Hey, bonjour à tous, cette semaine on inverse un petit peu le fonctionnement des cours, c'est-à-dire que c'est moi qui vais vous faire le HIIT aujourd'hui et c'est Stacy qui vous fera le Pilates de mercredi. Donc voilà, on a décidé, la semaine dernière c'est pareil, on avait échangé un petit peu, Baptiste avait fait le HIIT, Guillaume avait fait un renfo, donc voilà, de temps en temps dans la semaine, on essaiera de vous faire des petits changements, des inversions au niveau des cours. Donc aujourd'hui c'est moi qui m'y colle, je fais le HIIT pour cette semaine. Stacy qui d'habitude fait le HIIT, hop, elle va glisser, vous allez voir mercredi, on a fait la séance déjà, une petite séance sympa pour le Pilates de mercredi. Et puis Baptiste lui fera son renfo classique et puis Guillaume fera un cardio box cette semaine. Voilà, comme ça vous avez le programme de la semaine. Donc aujourd'hui c'est HIIT, on va avoir, je vous explique un petit peu le principe, on va avoir 40 secondes de travail, 10 secondes de repos entre chaque exercice. On va faire 3 fois le même bloc. Le premier tour, on va le faire vraiment sans intensité. C'est le tour qui va nous servir d'échauffement. Donc ça va nous permettre de reprendre les exercices tranquillement, voir éventuellement les variantes qu'on va mettre après. Mais vraiment, le but du premier tour, du premier bloc, c'est vraiment de le faire tranquillement pour se mettre en route et nous échauffer. On ne fait pas d'échauffement spécifique. Ça sera notre échauffement le premier tour. 1 minute de repos et après, on aura 2 tours où là, l'idée, ça sera vraiment de mettre un peu d'intensité et d'aller chercher l'intensité maximale que vous pouvez mettre sur les 2 tours suivants. Chaque fois, on aura une petite minute de récup. Donc, 1 tour d'échauffement, 1 minute de repos, 1 tour où on mettra la patate, 1 minute de repos, 1 tour où on mettra la patate, et en fonction de ce qui nous restera, s'il reste un peu de jus, on essaiera d'aller vraiment jusqu'au bout du tour à fond, et après un petit peu d'étirement pour prendre le temps de récupérer. Si tout le monde est prêt, le DJ va pouvoir nous mettre la musique. Voilà. Je vous mets le timer. Donc 40 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. On va commencer juste par des jumping jacks. Donc on y va tranquille. Les jumping jacks, tout le monde sait les faire. On est parti, on est parti. Allez, 40 secondes. Donc à vous de trouver l'intensité que vous voulez mettre. Si vous voulez vraiment attaquer tranquille, je fais juste celui-là. Hop, j'attaque tranquillement. Ou je mets un peu de saut. Ils sont les bras, les jambes, ou juste sur le déplacement, pour ceux qui ont besoin de se chauffer tranquille. 15 secondes encore, 15 secondes. Vous voyez, ils ont l'air à l'aise, c'est parce qu'ils sont à l'aise. Et pour la salle, sans sourire, vous allez voir à la fin, ça sera moins. 5 secondes, il vous reste 5 secondes à tenir, on respire bien, ensuite 10 secondes de récup. Toc, récupération. 10 secondes pour souffler. On enchaîne avec la planche, classique, sans rien faire. C'est parti. Donc on va la faire sur les mains. Si vous préférez vous mettre sur les coudes, mettez-vous sur les coudes, comme vous voulez, pour les gens qui ne sont pas à l'aise au niveau des poignets. Pour les 2 tours suivants, on se mettra des petites variantes, de façon à rajouter un peu de difficulté. 20 secondes. On fait la moitié. Vous pensez à votre placement, le haut du corps, vous allez sur mes appuis, je ne laisse pas tomber le bassin. 10 secondes, 10 secondes. Là, ça va bien. On va monter en pression doucement. 3, 2, 1. Récupération. Et 10 secondes. On va remonter un peu au niveau du cardio avec des montées de genoux. Donc là, c'est pareil. Tranquille. On monte en pression tout doucement. Ouais. Allez, 20 secondes, après on reprend 10 secondes de récup et on revient au sol. Allez, mettez les bras, restez pas avec les bras figés. J'accompagne. 4, 3, 2, 1, récup. 10 secondes pour passer au sol. Mountain climber. En gardant un appui, je garde un appui, soit un peu plus dynamique, soit je mets un peu de vitesse, soit je le fais avec l'appui. N'oubliez pas ce premier tour, il reste sur un échauffement. C'est un tour de mise en route. 40 secondes, c'est long, vous allez voir. Ça commence à tirer un peu les bras avec l'épaule, surtout que la partie qu'on enchaîne,
encore tirer un petit peu. Hein. Et puis, au fur et à mesure, on va s'accumuler, vous allez voir. 3, 2, 1, récupère. On revient sur les jambes l'instant que les bras récupèrent parce qu'on va s'en servir après. Squat jump. Avec ou sans le saut. Soit je mets l'impulsion, soit je viens juste, je déroule les fils. Squat classique, vous avez trois possibilités. Soit je reste sur un squat, soit j'insiste un peu, je déroule la cheville, soit avec l'impulsion. Là encore, gérez votre effort et votre échauffement. On monte tout doucement. Pour l'instant, ils gèrent bien leur potentiel. Ils s'échauffent tranquillement. 10 secondes. Personne saute. Tout à l'heure, ils vont sauter, ils vont faire des bouts comme ça, vous allez voir. Pour l'instant, ils se réservent. 2, 1, repos. On revient sur le haut du corps. Défend encore sur les pieds, sur les genoux. Comme vous voulez. Gérez votre effort. 40 secondes de pompe, c'est très long. C'est très long, surtout quand on n'est pas très costaud sur le haut du corps. Pour commencer sur les pieds et finir sur les genoux, je peux choisir 20 secondes. On n'a fait que la moitié, vous vous rendez compte? On n'a fait que la moitié. Je peux choisir de tout faire sur les genoux. Et de mixer un peu sur les pieds, un peu sur les genoux, un peu sur les pieds, un peu sur les genoux. On est prêt. Alors, on va bien en genoux, quoi. 4. 3, 2, 1, récup, on souffle, on repose debout, on va revenir sur les jambes, on va récupérer, la fin va être dure. Hanche alternée, pied droit, pied gauche, les abdos serrés, je me serre les fessiers, je fais un pas en avant, ceux qui préfèrent, vous voyez, lui on le fait avec le tabac arrière, Baptiste aussi, Stécie le fait vers l'avant. Je laisse le choix. J'amortis bien. Je me laisse pas tomber. Attention à pas vous progresser. Hein. Le poids du corps sur les deux jambes. Si grand, si droit, un peu serré. 10 secondes. Deux. Un. Récup. Un peu moins musculaire, un peu plus cardio. On va remonter sur du sprint. Sur place. 3, 2, 1, sprint. Avec les bras. Là encore, 40 secondes, c'est long. Gérez votre effort. Attaquez tranquille. Tout à monter au fur et à mesure. Là, ils font des kékés. Là, ils font des kékés. Là, ils sont bien. Je vais même boire un coup par un coup court. Parce que ça me fait bien. Attention, c'est pas fini. 10 secondes. On peut accélérer un peu là, on peut mettre un peu de fréquence. On a une dernière seconde. 2, 1, récup. On revient sur deux exercices difficiles. Burpees, sans la pompe. Sans la pompe. C'est parti. On va chercher l'impulsion vers le haut. Par contre, ne faites pas la peau. On la rajoutera si vous voulez pour le deuxième et le troisième tour qui sont vraiment notre corps de science. Pour l'instant, voilà. J'apporte bien la puissance. Faites bien attention à vos appuis au niveau des bras. Laissez pas, c'est... Vous ne pouvez pas ici. Hein. Les pieds se déplacent. Nickel. Et encore, 40 secondes, c'est long. 5 secondes. Récupération. Dernier exercice de ce premier tour, les sauts groupés. Je vais pousser et je monte les genoux. Attention à l'amorti. On pousse, hop, on amortit. Si vous voulez vous mettre sur votre tapis, ça amortit un petit peu. Quand vous avez les chevilles fragiles, les genoux fragiles, voilà. Surtout pas trop. Hein. Cherche un saut, pas trop long. Pour le cœur, c'est dur, les genoux, les chevilles, c'est très dur celui-là. 10 secondes encore.
coup, vous avez une minute. Voilà. 50 secondes encore. On va couper le chauffage, je vais commencer à par chaud. Donc, le premier tour, il était vraiment pour monter en température. Là maintenant, pour ceux qui vont vouloir mettre de l'intensité, mettez de l'intensité. Mais pensez que 40 secondes sur chaque exercice, c'est très long. Vous allez voir, c'est très très long. Sur le jumping jack, ça va. Sur la planche, ça va. Mais les squat jump, les pompes, les fentes sautées, les fentes alternées, ça va être dur. Attention, plus de 10 secondes, préparez-vous. On commence par les jumping jacks, 40 secondes. Là, vous pouvez commencer à mettre un peu plus de pêche que le premier tour. Courage, les gars. Courage et force, Jean-Louis. Allez, pisse sur la bonne musique. La bonne musique, là. Ah, voilà. Baptiste, il a le smile jusqu'aux oreilles. 40 secondes. Respirez, respirez. Vous mettez pas en apnée, surtout. Hein. Les 10 secondes de récup, on en a besoin, là. Allez, 15 secondes, encore, vous voyez? Là, si vous avez commencé à mettre de l'intensité dès le départ, la fin va être longue. 9. Si il est à l'aise, il peut chanter en même temps. Bon, il ne connaît pas les paroles, mais il chante. Récup. 40 secondes de planche. Soit en statique, soit avec une petite variante. Je décolle un pied, le deuxième, une main, la deuxième, un pied, deux, trois, quatre avec les mains. Un, deux, trois, quatre. Sur les coudes, hein. Ce que tu peux faire sur les coudes, faites sur les coudes. Allez, 15 secondes, 15 secondes. J'alterne, sinon je reste sur la variante de départ. Les mains, les pieds fixes. On va rajouter la variante, qu'est-ce que ça passe? Récup, récup. On remonte. On va enchaîner avec les montées de genoux. Simple ou avec une petite version un peu plus dure. Soit vous mettez que les genoux, soit on rajoute les bras. Ça devient dur avec les bras, laissez tomber les bras. Revenez juste sur vos genoux. Je ne mets pas les bras sur les côtés, j'accompagne bien toujours. 10 secondes, 10 secondes. Soufflez, entièrement, entièrement, entièrement. On est qu'au début du deuxième tour. C'est celui-là qui compte vraiment. Stop, récup. On se rapproche de son tapis. On take driver, là encore. Où je le fais. En gardant un appui au sol, je mets l'intensité au départ. C'est parti. Voilà, vous pouvez commencer ici avec un appui tout le temps. Je vais faire de façon plus dynamique, comme mes trois collègues. Je le trouve bien. Et quand on est dynamique comme ça, les appuis de bosse, on travaille avec les bras et les épaules, hein, pour tenir le poids du corps. Hein. Allez, allez, 14 secondes. On tient, on tient, on tient. On souffle. Ça devient dur. Reprenez un appui à chaque fois. Reprenez un appui, ça devient dur. 5 secondes. 3, 2, 1. Récup. On monte, on souffle. 10 secondes, vous allez voir. Au fur et à mesure, les 10 secondes paraissent de plus en plus courtes. Squat jump. On reste pour récupérer. Chercher. Prendre impulsion. J'ai vu que tout à l'heure ils sautaient pas, ils ont géré leur potentiel. C'est variable, hein, leur potentiel c'est variable. Les autres, je le fais juste en déroulant la cheville ou en gardant mon appui. Adapté. Je peux très bien mettre de la fréquence sur mes squats. Hop. Au lieu d'avoir un saut, mettez de la fréquence. Allez, on y est presque. 5 secondes, 5 secondes, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, on va laisser les jambes récupérer, on va revenir sur les pompes après, top, récup.
en place, ou sur les pieds ou sur les genoux. 40 secondes de pompe. Gérez vos 40 secondes. 2, 1, on est parti. Et pourtant, moi j'ai des costauds aussi sous la main. Mais les attaques sur les genoux. Hein. N'oubliez pas, vous avez un deuxième tour à faire. Vous aurez un deuxième tour à faire. Attention à ne pas verrouiller mon coude. Attention à pas à chaque fois donner un accueil de coude. 20 secondes. Vous n'avez fait que la moitié sur les pompes. Que la moitié. Et ça doit commencer déjà à chauffer un peu dans les triceps. Un peu dans les pecs, mais les bras ils commencent à morfler un peu, les épaules. Séance très dure. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Repos si on peut dire. On peut dire. Attention pour les fentes. Soit comme tout à l'heure, on va les faire en alterné. Soit fente sautée. Au choix, là encore. Utilisez ce qui vous convient mieux. Je suis plus à l'aise sur une fente alternée devant. Je préfère le faire vers l'arrière. Où je suis suffisamment dynamique. Dynamique et équilibré. Et résistant. Mais par exemple, moi, ils ont tous qui habitude, hein, ils ne font pas les bons choses. Ils sont fragiles, des chevilles, des genoux. Voilà, magnifique, ici c'est un exemple pour nous. Jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. En voilà, soufflez. Un petit peu moins traumatisant au niveau des cuisses et un peu au niveau du cœur. Sprint sur place. Attention. 2, 1. C'est parti. L'enchaînement des trois derniers exercices à partir de celui-là, très dur. Sprint, burpees, et laissez vous couper avec les genoux. La fin est terrible, la fin est terrible. Pour ça, je ne le fais pas, moi. Pour ça, je le fais pas. C'est la fréquence, Baptiste, la fréquence. C'est plus important quand c'est comme vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, elle sautait dans tous les sens, il s'est calmé cette semaine. Top récup, quoi. Burpees, sans la pompe ou avec la pompe, c'est vous qui gérez. On est parti. La pompe, c'est du bonus, hein. Là encore, à chaque fois, vous adaptez la variante qui vous convient le mieux, avec ou sans la pompe. Avec ou sans saut, ne préviens pas sauter et aller chercher rien avec les mains. Si c'est compliqué, peut-être les deux pieds séparément. Changez de sauter. 3, 2, 1. On occupe. 10 secondes, on finit. Avec les sauts groupés. Le deuxième tour, il va être terrible. C'est parti. C'est trop dur. Voilà. Bien. Même ça, 40 secondes, c'est énorme. 10 secondes. 10 secondes. C'est pas mal, c'est pas mal. Récup, une minute. Profitez-en. Soufflez, soufflez, soufflez. Il vous reste 40 secondes de récup. Dernier tour. On essaye de garder la même intensité. Mon petit conseil, commencez vos 40 secondes tranquille et augmentez la fréquence au fur et à mesure. Vous avez une bonne façon de faire ça.
10 secondes. On est prêt. On attaque par les jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Sans grimacer. On fait du sport, on est le royaume du sportif, on est en bonne santé, on est content, tout va bien. Allez, encore. Allez, presque. 10 dernières secondes de jump. Encore. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Récupération, 10 secondes. Pour revenir au sol. Planche, on coule la planche toute simple, on déploie un pied, comme on a fait tout à l'heure. Le pied, le bras au côté. Sinon, je reste sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, on s'adit. Vous avez trois options. La planche en statique sans rien faire. 20 secondes déjà. 20 secondes. Soit je décolle, une fois un pied, une fois l'autre pied, une fois l'autre main, une fois l'autre main. Soit bras jambes opposées, bras jambes opposées en trois à chaque fois. 10 secondes. 10 secondes. Allez, hop, chacun adapte la version. L'assistance statique, cassé avec la salle d'appui, guillaume les deux. 10 secondes de récup, on enchaîne avec les montées de genoux. Dans mes rêves les plus fous, on a des genoux au niveau de la hanche. Hein. Mais... Alors plus on est petit, plus c'est facile de monter les genoux au niveau de la hanche. Les hanches sont moins hautes. Récup. Montez une timber. Merci. Là encore, je garde un appui au sol. On va le faire. Bien dur en fin de série, 20 secondes, j'ai fait la moitié. C'est bien dur, je garde un appui au sol. Avec une jambe à la fois. On monte en souffle. Ils vont me détester, c'est sûr. Squat jump. J'ai vu tout à l'heure, ils sautaient pas, ils ont géré leur potentiel. C'est variable, hein, leur potentiel qui est variable. Je saute. Je le fais juste en déroulant la cheville ou en gardant mon appui. Adapté. Je peux très bien mettre de la fréquence sur mes squats. Hop. Au lieu d'avoir un saut, mettez de la fréquence. Allez, on y est presque. 5 secondes. On s'accroche. On va laisser les jambes récupérer. On va revenir sur les pompes après. Top, récup. En place, ou sur les pieds ou sur les genoux. 40 secondes de pompe. Gérez vos 40 secondes. 2, 1, on est parti. Et pourtant, moi j'ai des costauds ici sous la main. Mais j'attaque sur les genoux. N'oubliez hein. Pas, vous avez un deuxième tour à faire. Vous aurez un deuxième tour à faire. Attention à ne pas verrouiller vos coudes. Attention à ne pas à chaque fois donner un accueil de coude. 20 secondes. Vous n'avez fait que la moitié sur les pompes. Que la moitié. Et ça doit commencer déjà à chauffer un peu dans les biceps. Un peu dans les pecs, mais les bras ils commencent à morfler un peu, les épaules. Très dur. 5, 4, 3, 2, 1, repos. Repos si on peut dire.
attention pour les fentes. Soit comme tout à l'heure, on va les faire en alterné. Soit fente sautée. Au choix, là encore, utilisez ce qui vous convient mieux. Je vous allez sur une fente alternée devant. Je préfère me faire vers l'arrière. Où je suis suffisamment dynamique. Dynamique et équilibré. Et résistant. Mais par exemple, moi, ils ont tous capitulé. Ils ne font pas les fentes sautées. Ils sont fragiles, des chevilles, des genoux. Voilà, ah, magnifique, c'est ici, c'est un exemple pour nous. Jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, voilà, soufflez. Un petit peu moins traumatisant au niveau des cuisses et un peu au niveau du cœur. Spring sur place. Attention. 2, 1. C'est parti. L'enchaînement des trois derniers exercices à partir de celui-là, très dur. Sprint, burpees, et laissez-vous couper les genoux. La fin est terrible, la fin est terrible. Pour ça, je le fais pas, moi. Pour ça, je le fais pas. C'est la fréquence, Baptiste, la fréquence. La semaine dernière, il sautait dans tous les sens, il s'est calmé cette semaine. Top récup. Surprise, sans la pompe ou avec la pompe, c'est vous qui gérez. On est parti. La pompe, c'est du bonus, hein. Là encore, à chaque fois, vous adaptez la variante qui vous convient le mieux, avec ou sans la pompe. Avec ou sans saut, il ne faut très bien pas sauter et aller chercher l'arrière avec les mains. Si c'est compliqué, peut-être les deux pieds séparément. Projet de sauter. 3, 2, 1. Récupère. 10 secondes, on finit. Avec les sauts groupés. Le deuxième tour, il va être terrible. C'est parti. Trop dur. Voilà. Là. Même ça, 40 secondes, énorme. 10 secondes. 10 secondes.